Ça fait combien de temps que tu as ton atelier boutique dans cette rue? Alors, ça fait la rue des Gardes. Ça fait 8-9 ans. Ouais, je pense que voilà, 8-9 ans. Parce qu'il y a plusieurs créateurs en fait ici. Oui, c'est un projet donc de la ville de Paris et de la Fédération française du prêt-à-porter pour apporter au quartier de la Goutte d'Or de nouveaux commerces, d'autres types de créations, voilà, des ateliers créés des créations. Vous êtes les précurseurs un peu des, comme il y a eu dans le Marais, puis ensuite dans le 11e, et maintenant peut-être ici, ben voilà, les créateurs qui vont s'installer. Et oui, c'est vrai qu'on a commencé depuis donc 8 ans, et puis ça avance. Puis il y a mon projet Chaussettes Orphelines, qui c'est un projet donc d'insertion sociale, économique et des réhabilitations textiles. Fin 2007, j'étais invitée par la ville de Paris pour les Grands Prix de la Création et j'ai présenté pour la première fois donc, ces vêtements. Les gens m'apportent les chaussettes des enfants, voilà. Ah, c'est mignon. C'est quelque chose que tout le monde connaît, hein, c'est connu de tous les foyers, les chaussettes qui perdent un pied. Donc il y a un côté social et un côté écologique. Voilà, exactement. Et puis mêlé à la création. Et oui, donc ça fait participer. Ça, c'est très important parce que c'est la. Ça, c'est une petite robe pour une petite fille. C'est l'occasion de libérer sa créativité. On les rassemble tous. On a un point de collecte à la mairie du 18e et aussi à l'hôtel Jeanne d'Arc. Donc voilà, nous avons des partenaires fidèles. Et puis voilà, donc on a l'occasion de faire des vêtements. Ça, c'est une écharpe qui est vraiment sympa, où on voit bien les chaussettes, des colliers. Il y a un côté très brésilien dans ce projet aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets de participatifs sociaux là-bas. Ah oui, c'est vrai que le Brésil, c'est vraiment un champion. Pour le recyclage. Champion des projets associatifs, des coopératives, tout ça, c'est quelque chose qui marche très bien au Brésil. Donc c'est bien que tu aies donné aussi cette impulsion ici. Cette dentelle, c'est une dentelle traditionnelle faite par des artisans au Brésil. Donc ça, c'est de la dentelle au fuseau. Que tu es brésilienne. Oui, je suis d'origine. Donc c'est fabriqué là-bas. C'est fabriqué là-bas avec de la dentelle. Enfin, parfois c'est la dentelle qui vient et nous nous rassemblons et nous faisons les modèles ici. C'est joli. Voilà. Donc tu as gardé beaucoup de liens avec ton pays. Moi, je trouve que ça se voit un peu par la couleur, par la. La gaieté en général. Dehors aussi, les gens sont gays. Oui, voilà, ah, ça. Cette petite robe framboise, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé, les dentelles décalées. Par leur raffinement, leur délicatesse, ce côté si féminin. Donc vous travaillez avec des vrais artisans et de la vraie dentelle de fabrication française. Ah oui, ça c'est... pour faire des... C'est vraiment... Robes du soir. Mais oui, c'est... Ou des robes de mariée, c'est vrai. Ou des robes de mariée. Je fais beaucoup des robes de mariée, c'est quelque chose que j'adore, les robes sur mesure, quelque chose qui est vraiment pensé pour la personne.